Bien, salut tout le monde, c'est Fared. On se retrouve aujourd'hui, toujours dans la nuit de South Park, à la recherche de la stripteaseuse après avoir débloqué le pet temporel. Non mais lol, regardez-moi ça. Je remonte dans le temps, mais n'importe quoi. Bon, enfin bref, continuons. Entrons dans le restaurant italien. Et alors je lui ai dit, tu sais c'est quoi ton problème? T'es un alcoolo. Alors attendez, restaurant italien, qui dit restaurant italien dit jeu en italien. Ah, ubriacone, aio. Ubriacone, ma che faccio qui? Luigi, dammi una pizza per piacere. E non pensare di avere un problema. Oh, lo so. È chiaramente un modo di fuggire dai propri casini. Se poi preferisci ficcare il naso nel culo di un gatto per poterlo sniffare, c'è qualcosa che non va nel tuo matrimonio. Già, penso che tanti di questi tossici lo facciano. E io sono in train de bouffer, non mi ci crois pas. Ma era qui. Non l'avete visto entrare? No, stavamo sincronizzando gli orologi. Le voi italiani sono. Combattere in crimine a stomaco vuoto è pericoloso. È per il tuo bene. Come no? Ma può essersene andata. Sarebbe uscita dalla porta principale. Allora forse è sul retro. Date un'occhiata. Noi siamo qui. Vi aspettiamo mangiando grissini. N'importe quoi. Alors, le coon est avec nous maintenant. Parfait. Ton équipe a changé. Allez, ça me va. Ça me va, ça me va. On va pouvoir tester la puissance du coon. Alors, buongiorno. Andate a colorare qualche tovaglietta. Oh la 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 la. Uè, andiamo, dobbiamo servire tutta questa pasta e queste polpette ai clienti. Sembrano pericolose. E la pasta, ma che? Au! Che mi attacchi, mio! Non è mica possibile sta fare. Chi vuole essere il primo? A casa, nella doggy bag. Un doggy bag, on va voir. Alors le coon il fait quoi? Coon griffe, terrible lacération appliquant saignement. Bon du coon, rue-toi dans la bataille, toute griffe dehors. Cabriole du coon, blesse et change de place avec un ennemi. D'accord. Alors. Soi! Credo che riuscirei a infilarti intero in una pentola da brodo. Si 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 si. Ti hanno mai fatto la... Le tue scoregge spazio-temporali sono armi potenti. Con la tua nuova scoreggia puoi anche annullare un turno avversario. D'accord, allora, soi! Ora tocca al procione e ai suoi amici. Ti rimpenso di mai se mi prendo il tuo fegato grasso. Ah! Ci vuoi anche un bucacchio di creme fraiche? No, no, je veux pas de creme fraiche. Vediamo che sai fare, novellino. A moi! Allez! Sai, sai, sai! Mi stanno facendo flambé! Ti griglierò sotto un mattone! C'est tellement ridicule, n'empêche! Alors, non. Là, oui. La puissance du diabète! Fingi che ti abbia fatto male, ci stanno guardando! La cucina sta per arroventarsi! Et nous, Non, là c'est pour soigner. Et Y c'est pour soigner aussi. Donc, hop. Quanti piatti dovrai lavare dopo questo? Stai per diventare un'altra macchia sul mio grembiule. C'est quoi, du minestrone? Intingerò le palle nella vostra salsa. No, 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 non la mia salsa! Procione rovetta in arrivo! Ehi, solo il capo chef può trattarmi così male. Violerò le tue norme igieniche. Questo non ha senso. Fagli vedere chi sei, Petoman. Allez. Sai, sai, sai. Non possono nulla contro di noi. I vostri cadaveri in cella frigorifera. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ai. Così la carne si ammorbidisce. Chiedo scusa per l'intromissione. Alors, repousse et ralentit les adversaires, gagne protection. Bah écoute, ouais. Ora sono incazzato. Mi toccate di nuovo, vi metto a lavare le padelle. Alors, toi, tu vas pas lavare le padelle, tu vas te soigner, ou même pas, ou tu vas, je sais pas, tu vas... Tranquillo, ti copro io. La
Ah oui, d'accord, c'est ça que ça fait, j'avais oublié que ça faisait ça. Mi trasformerò in una deliziosa e succulenta bragiola. Bragiola. Bah tu vas te mettre light, c'est la fin du tour. Mi fidélité, Sacha. Toi, tu vas te mettre light, tu attends. Largo a Capitan Diabete. Toi, tu vas faire pareil avec lui. Ralentis-le. Ultime est prêt. Parfait. Allez, le Kun, montre-nous ton pouvoir. Ça m'éclate le jeu en italien comme ça. Allez, c'est parti. Kun vedette, griffe tous les adversaires et fais les saigner. C'est parti. Combatti come una femmina. Sei, sei, sei. Voilà, saignement et brûlure. Parfait. Merda, sto colando. Merda. Parla migliore. Tu vas te mettre là. Toi, tu continues. Piu piu. Le sopracciglia dovrebbero ricrescerti. Facci strillare. Non, tu le soigneras pas. No, Petoman, sei fottuto. Ambro Carmine, sono come l'agnello per il macellaio. Allez. Può fuggire. Non altri. A nous. Voilà, tu brûles. E io ti schiaccio come una pianina. Come una cura. Preparati a un terribile strabismo. Wow, laser. Parfait. Même pas mal. En revanche, toi, tu vas le sentir passer. La puissance du Kun. Allez. Voilà. Utilise 15 pets temporels, d'accord. Quei pirati dei carboidrati non avevano speranze contro il procione e i suoi amici. Classe deve essere andata di qua, ma la strada è bloccata. Potrei usare la forza, ma non posso usare il succo di mela, non ho l'insulina per tornare normale. T'inquiète pas, on va se débrouiller. Bon, allez, on va remettre le jeu en français. C'était bien rigolo. Alors, on va se débrouiller. D'abord, on fouille. On pourrait peut-être déclencher ma fureur du diabète. Bah oui, mais comment tu veux qu'on la déclenche si tu as pas... Bien sûr, avec ma super force, pourrais la renverser. Mais je peux plus boire de jus de pomme sans mon insuline. Je peux peut-être en fabriquer. Non. Non, je peux pas en fabriquer, ok. Il faut trouver le moyen de basculer ça sans faire appel au jus de pomme. Oui, il faut trouver le moyen de basculer ça sans faire appel au jus, sans faire appel au jus de pomme, mais... je sais pas. Je suis un super-héros tellement bien élevé qu'il est presque impossible de me mettre en rade. Sauf que... Attends, ça y est. Ah, je sais, oui. TP acolyte, TP abominable sont capables de me mettre en rade. Bien sûr. Le Kun n'essayait pas de me déstabiliser en me disant que c'était l'épée de ma mère qui m'avait donné le diabète. Il voulait m'aider à libérer mes pouvoirs. Mais oui, voilà. Par là, trouver Classy acolyte. Pour le bien de South Park, pour le Kun et sa bande, il faut que tu me pètes sous le nez. Oh. Très bien. Comme tu veux. Acolyte, je croyais avoir... Fais pas le timide. Oui, voilà. On analyse. Correspondance trouvée. Dis-moi où je dois me mettre. Là. D'accord. Quand tu veux. Ça a
Oh, c'est dégueulasse. Bon, parfait. On a réussi. La voie est libre. Alors allons-y. Si tu m'as la me laisser aller. Mais si on se retrouve de nouveau dans une situation délicate, acolyte, sache que tu peux me péter au visage. J'y penserai, écoute. Fureur du diabète, très bien. J'y penserai. Tes carottes. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde alors! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Il faut prévenir les autres! C'est eux qui enlèvent les chats? Ouais, capitaine diabète! On a trouvé des seins perdus! Une pièce pleine! Pas possible, ça qu'est vraiment vieux! Négatif! Il n'y en a pas de gros et vieux! Bah, et la meuf? On la cherche toujours! Il faut découvrir ce que c'est! Au boulot! Et. Je peux le sentir! Allez, acolyte! Oui, et c'est pas eux qui ont enlevé les chats du coup? C'est. Non? Oui, peut-être? Je sais pas. Attendez, parce que là il y a un truc jaune. Qui dit truc jaune? Dit. Voilà! Alors des tortillas, ouais. Il pourrait y avoir une grosse bataille qui arrive, mon pote! Mieux vaut s'assurer que t'es équipé en potions de guérison et que t'as tes meilleurs artefacts avec toi! D'accord, donc là apparemment. Toute chose possédant un effet statique peut être réinitialisée dans son état antérieur, d'accord. Hop, parfait. Et je peux passer. Ah ouais, carrément, il me propose carrément d'acheter des objets, de quoi... Bon, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Apparemment, un combat se prépare. Très bien. Alors allons-y. Attends, Akoli, des ennuis pourraient nous attendre derrière cette porte. Ah, c'est même sûr. Prêt. 1, 2, diabète! Tu vois, je t'avais dit que j'étais suivi par les flics. Et tu les as amenés ici, pauvre débile? Oh, c'est qui que tu traites de débile? J'ai l'air d'être ta mère? La fête est terminée, Classy! Ces mômes, c'est des flics? C'est pas un flic, c'est Capitaine Diabète! Sa mère a pété lors de l'accouchement et il a attrapé le diabète qu'il utilise désormais pour combattre le crime. N'importe quoi. Si ce sont pas des flics, on peut leur tirer dessus. Et sur cette conne. Oh merde. Vous vous retournez contre moi? Je savais que j'aurais pas dû me mettre en affaire avec des mecs qui ressemblent à Tony Soprano. Au revoir, capitaine diabète. On va voir si ton diabète peut te sauver. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je les ai pas à tes clés, mec! Il s'est défoncé au vin rouge. Les bitures au vin rouge, c'est les pires! Foutons le camp d'ici! Ok! Fini la plaisanterie! Donne-moi les putains de clés! Vous n'êtes pas en état de conduire! Alors, meurs! Red wine drunk, Randy. Oh là 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 là, bourré au vin rouge. Très bien. Vous n'êtes pas raisonnable, monsieur Mart. Je vais appeler votre femme. Laisse Sharon en dehors de... Laisse-le tranquille. C'est pas juste. T'as pas le droit d'utiliser ton cul pour accélérer le temps et piquer le tour des gens. Oh bah tiens, je vais me gêner. Je sens bien ce coup-là, les mecs. Je vais me gêner. Allez, on va l'immobiliser. Enfin, on va le ralentir dans un premier temps. Je sens pas la douleur. Tu sens pas ce coup là, enflure. Bah là y a... je suis un petit peu au milieu quoi. Bon. Je vais ok. Vous protéger de vous-même. Ouais c'est ça, c'est ça. Alors tu vas Tu vas repoussement. Et je gagne protection. Alors on va faire ça. Hop. Allez. Soy. Faire mal ça. Ouais. Ressens la colère de l'inservalant. Piou piou, exactement. Du tout faible et tout, t'as pas intérêt à perdre. Merde, une seconde, Sharon m'envoie un texto. Je peux pas taper. Bordel, pourquoi je peux pas taper? Pourquoi j'ai des pouces énormes? Hé, hey, Siri, prends une putain de note. Dis à ma femme d'aller se faire foutre, je suis en train de me battre. Emoji de merde. Ok. Allez. Estimer les pouvoirs du vin rouge. Ouais, je crois bien.
Aïe, 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 aïe. Alors, tu vas te calmer maintenant, mon grand. Parce que là, le problème, c'est que je peux pas attaquer comme ça sur les côtés. Bah, dans ce cas, j'ai pas 36 solutions. Hop! Retourne au milieu! Pourquoi tu les laisses te cogner comme ça? Esquive, bordel! Ensuite, tu te mets là. On va le geler. Alors, hop. Ah, fuck. Pourquoi là, ça... Voilà, on va le geler. Diamond to Dust! Vous devriez aller aux alcooliques anonymes, monsieur Mars. Ouais, je crois bien. Hein. Je crois bien, en effet. Ensuite, on le ralentit. Ah, j'ai besoin d'un remontant. Avec la table cassée, c'est parfait. Oula, on dirait que j'ai pas parié sur le bon cheval. En effet. Ah, je crois que mes boules me sont remontées dans le vide. Oh bordel, elle a pas l'air contente. Lequel d'entre vous a dit à Sharon que j'étais ici? Une minute. Je rentre bientôt. Je cherche mes putains de clés. Cœur, cœur, XO, envoyé. N'importe quoi. Alors, mets-toi là, le Koun. Toi, mets-toi là. Brûle-le. Ça y, ça y, ça y. C'est pas vrai, je brûle. Exactement, tu brûles. Ensuite, hop, tu passes derrière. Oh, maman va bien s'occuper de toi quand ce sera fini. Et on termine avec le piou-piou. Je m'en serais sorti tout seul, mais content que vous ayez été là pour regarder. D'accord, je vais prendre un taxi. Hé, hey, quand le capitaine Diabète est là, on conduit pas quand on a bu. Parfait. Talisman des enfers, fiche de perso de Capitaine Diabète. D'accord, merde. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un nouveau caïd qui essaie d'écouler de la super cam. Ce type est en train d'essayer d'unir les familles italiennes et chinoises ensemble, bordel. On s'en fout de ça. Où est Sacripant? Sacripant? On a besoin de cette récompense pour notre franchise de super-héros. Oh merde, vous voulez juste un chat? Ouais, c'est ça. Oh, donc il y a ce Cisco. À moins que rien, qui a commencé à travailler il y a 2 mois, qui se vantait de faire du fric grâce au crime en ville parce qu'un gros bonnet de blanc a la main mise sur toutes les drogues, toutes les catins et tout le reste. Ok? Bon. Mais pas moi. Moi, je me gère toute seule. Ce que je veux dire, c'est que je possède un seul bien. C'est ma chatte. Et que je l'hypothèquerai pas pour les poches pleines d'un enfoiré qui se vante de faire du fric grâce au crime et toutes ces conneries. Classique. Désolé, mais... Et les chats? Ah, ces chats-là? Ouais, bah, y a un taré d'Asiate du nom de Yakiababa ou un truc comme ça qui paie les 6e pour kidnapper les chats. Sérieux, je trouve ça trop naze d'enlever les minous. Moi, je garde le mien, merci. Je veux dire, c'est criminel, quoi. Ils vont où, ces chats? Ce que je peux dire. Mais j'irai rien avant d'être sûr d'être hors de danger, ok? Ces types rigolent pas. Et je veux être sûr que vous allez me protéger. Eric Cartman, as-tu une idée de l'heure qu'il est? Tu as école demain. Non, pas maintenant, on est sur du sérieux là. Les enfants, rentrez chez vous maintenant, ou j'appelle vos parents. Désolé, madame Cartman. Désolé. Et c'est qui la stripteaseuse? Le Koun et sa bande m'ont offert leur protection. Eh bien, elle ne reste pas ici. Bien, Quickie, emmène-la chez toi. D'accord. Bon, et moi Et voilà le programme d'info pour bien commencer la journée. Bonjour, South Park. Bonjour, South Park. Un nouveau justicier a fait une apparition remarquée hier soir en se débarrassant apparemment seul de la famille mafieuse des Famboni. Pour nous en parler, voici un nain en bikini. Oui, Tom, je me tiens devant le bouquin des Fagoncini où le justicier a déclaré la guerre au crime à South Park. La vidéo d'une caméra de sécurité montre une jeune personne pétant vers la figure et les couilles de certains individus. Le gamin est entré et s'est mis à péter sur les gens. C'est arrivé si vite, putain. Peut-être que quelqu'un a enfin décidé de redresser le cap de cette ville. Cet enfant est un héros. Selon moi, ce môme est une menace. Combien de temps faudra-t-il avant qu'un innocent soit tué? Combien avant que Daredevil devienne le Punisher? Hein? 3 saisons? 3 saisons.
Sur les lieux d'apogée, s'est trouvée une ligne de produits illégaux qui relierait le restaurant italien à un syndicat du crime de plus grande envergure. Il se pourrait que ce ne soit que la partie émergée de l'iceberg. C'est à glacer le sang. Et certains témoins rapportent également la présence d'un acolyte. Effectivement, certaines rumeurs font mention d'un acolyte, Tom, mais l'enquête a démontré qu'il ne s'agissait que d'un pédzouille atteint de diabète. Merci, le nain. Et bien sûr, la question qui brûle toutes les lèvres est désormais, qui est ce justicier Peter? On va encore passer pour des buses. Vous avez merdé. C'était pas notre faute. Ce gamin est entré dans le restaurant et s'est mis à péter comme un cinglé. Les Italiens, vous transportez le matos. Les Chinois et les Russes s'occupent du reste. Il faut rester discret, sinon les gens vont découvrir la vérité. Mais lui, c'est pas le chef de la police ? Ils glissent le produit dans la cam et l'alcool pour faire monter la criminalité. Continuez à faire votre boulot en distribuant le pizza dans les rues, où je traiterai directement avec les Russes, ou les Chinois, ou les sixièmes. Oh la vache, comment j'ai trop bien dormi. Ça faisait des semaines que j'avais pas aussi bien dormi. Alors les gars, vous avez fait quoi de beau hier soir? Bon, ben rien, comme d'hab. On a maté la télé, on est allé se coucher. Ouais, rien de passionnant dans nos petites vies monotones. Bon, ben alors, on se voit demain, hein? T'as une grosse journée qui t'attend, le nouveau. Va passer ton costume de super-héros et attends un message du goon. N'importe quoi. Très bien. Comment t'as fait ça, c'est débile? Alors, au niveau des artefacts, j'ai gagné un super artefact, me semble-t-il. Voilà. Qui augmente beaucoup ma puissance. 18% de santé d'allié bonus. Et plus 5 dans la plupart des caractéristiques. Parfait. Et là, j'ai gagné quoi de nouveau? C'est quoi? Ça, niveau 25, on s'en fout. Ok, très bien. Peut-être changer le costume un petit peu, non? Je vais mettre une nouvelle tête. C'était quoi ça? Couvre-chef hypersonique. Edouard. Vêtements. Cyberloup, elle est pas mal. J'aime bien. Gants de cyberloup. Agent psy. Fatalis. Alors, faites voir les gants de cyberloup. Non, rien du tout, d'accord. Les cheveux, on garde les mêmes. Ce sont mes cheveux. Maquillage de base. Ouais, on s'en fout. Par contre, au niveau des vêtements, j'avais quoi au niveau aussi, celui-là? La jambe si, ouais, d'accord. Au niveau de la tête, Ah, c'est rigolo comme ça. What? Attendez, c'était quoi ce chapeau là? Ah, là. ça fait très streamer, j'aime bien. On va rester comme ça, tiens. Je suis un streamer maintenant. Voilà. On va se mettre comme ça. Bon, ton duc, il est temps de tirer les verres du nez à Classy. Tout bon super-héros doit savoir mener un interrogatoire. Va chez Jimmy et découvre ce qu'elle sait. Cone terminé. Très bien. Très bien, mais avant. Au niveau des missions, donc Yaoi, tu veux ma photo? Je vais quand même retourner chez les marches pour voir si... Je suis le plus rapide de la ville. D'accord, mais moi je voulais retourner chez les marches pour justement voir si... S'il veut bien prendre un selfie après la nuit qu'on a passée. A plus. A plus. Alors... non, là c'est chez Cartman, c'est pas là. C'est à côté. Pam 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 padam. Alors, monsieur Stan. Il me faut une photo avec le meilleur petit-fils du monde. Oui, on l'a pas déjà pris celle-là? Ah non, on l'a pas déjà pris. Bon, ok.
Très bien. Merci, gamin. Tu vaux mieux que ton bon... Pas question, connard. T'es loin d'avoir assez de followers. Faut que je protège mon hashtag. Ok, très bien. Alors, Monsieur Marsh, il est où, Monsieur Marsh? Il est pas là. Je crois qu'il y a un petit souci là. Moi je dis ça. Je dis ça, je dis rien. Je pense juste qu'il y a un petit souci. La chambre de la sœur. Bon, il est pas là le père apparemment. Ah, à moins qu'il soit dans la cuisine peut-être. Ah, il est là. J'attends juste que le café fasse effet. Ok, et on prend un selfie? Je sais pas ce que t'as fait, mais celui qui crochetait ma voiture a enfin laissé tomber. Alors on s'en tape, je fais un selfie avec toi. Ok, parfait. Randy Marsh, c'est bon. Génial. Personne n'aurait vu mes clés. Non. Du tout. Parfait. Si je vais... Attendez. Là, c'est la maison de Kyle. La maison de Kenny, j'étais rentré dedans, je me rappelle plus. Pour Kyle, est-ce qu'il y a des selfies à prendre ou pas? Il y a personne? Dehors, peut-être? Non, il y a personne. Ok. Bon, très bien. Je vais retourner dans la maison de Kenny. C'est les photos de Nichon, petit. Mate-moi ça. Non, où ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Moi, je veux la maison de Kenny. Minou. Ah oui, lui. La maison de Kenny est toujours verrouillée. Viens, et là, je ne peux pas passer. J'espère que t'es pas en train de marquer ton territoire. Faudrait pas gaspiller ce nectar. Ouais, bien sûr. Bon, très bien, on verra ça plus tard. Je vais attraper des petits CMA, on dirait. Très bien, très bien. Alors, dans ce cas, hop, là, c'est la maison de Cartman. Là, c'est... Ouais. Est-ce que t'en veux, le nain? Vous allez vous calmer. C'est bien ce que je pensais. Trace la route, Tarlouse. Alors, j'arrive. Salut, les gars. Voilà, c'est là. Parfait. Oh, c'est encore toi, le sup-héros. Me pète pas à la gueule, d'accord? Hé, hey, Quickie, il y a un de tes super potes qui est là. Oh, salut nouveau. Kun m'a dit qu'il voulait que tu interroges le témoin. Alors vas-y, je t'en prie. Vas-y, le nouveau, demande-lui ce que tu veux. D'accord. Oh, très malin. Jouer le silence, ça peut vraiment mettre le témoin à mal à l'aise. Bon, ok. Je sais que vous avez besoin de mon aide. Mais je dirai rien avant d'avoir mes médocs. T'as les médocs? Yeah! J'arrive pas à réfléchir sans mes médocs. Alors vous allez aller me les chercher, d'accord? Tant que j'aurai pas mes médocs, je vous dirai rien du tout, les petits héros. Bon, d'accord. On dirait que t'as encore du boulot, le nouveau. Mais avant que tu repartes, je voudrais te montrer quelque chose qui pourrait t'aider à lutter contre le crime. Viens, on va dans ma chambre. Ok. Bon, nouveau, il est temps de faire passer tes super pouvoirs au niveau supérieur. Vas-y, mets-toi dans le fibulateur ADN. Ouais. D'accord, nouveau, bouge pas. Je vais te dire comment faire. Alors, force mutante ADN, précision inhumaine, summum de la douleur. Summum de la douleur. Regarde le nouvel emplacement d'ADN de héros que je t'ai ouvert. Ce que tu y mettras aura un gros impact sur ton efficacité au combat. D'accord. Choisis ce qui convient le mieux à ton arsenal de pouvoir, mais un gros boost de dégâts peut réduire la santé et vice-versa. D'accord. Ça réduit les testicules. Donc, summum de la douleur, extrait de l'ADN quasi introuvable de Rouquin pour conférer une résistance à la douleur légendaire. Renfloue ta capacité à prendre des coups à survivre plus longtemps dans la mêlée. Par contre, j'ai moins 25% de cervelle. Là,
porte la coordination main-œil à des niveaux surhumains en augmentant les dégâts. Du fait de son coût assez élevé pour la santé, mieux vaut utiliser ce piratage d'ADN loin des premières lignes. Donc je perds 15% de santé, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à 100, au lieu d'être à 180, je suis à 153, ok? Et... ah! Rien de tel qu'une bonne injection de force homo supérieure se marie bien au pouvoir causant des dégâts physiques. Donc là, en gros, j'ai... là, je résiste. Ouais. Ça veut dire que mes dégâts font plus 30%. Et là, j'ai plus de force, mais en même temps, si mes pouvoirs magiques ne font pas plus de dégâts, la force brute, moi, ne me sert à rien. C'est la cervelle qui me sert. Bon, je perds un peu de vie, mais plus 30% de dégâts sur toutes mes techniques, c'est quand même pas mal. Il y a peut-être la... il y en a une, c'est du cran, d'accord, ok, ouais, donc moi la force ne me sert à rien. Bah écoutez, allez, va pour le plus 30%. Bon, bien, maintenant tu sais à quoi ressemble un vrai pouvoir, c'est très bien. Ça devrait le faire, Dugo, t'as l'air d'avoir compris. Maintenant, casse-toi et frappe fort. Très bien. Bon, bah on continuera ça la prochaine fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, hein. J'attends vos retours dans les commentaires. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Allez, salut tout le monde.